الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله tout louange, tout grandeur, tout éloge, toute nos reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bénédiction, la paix, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous dans un mois sacré, mois Dhul Qadr, ensuite mois Dhul Hijja, ensuite mois Muharram, trois mois à suivre. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans ben jour, semaine à venir, ben frères, sœurs, qui Allah subhanahu wa ta'ala, une choisie, une décidée, une permettre qu'ils soient capables d'accomplir, Inch'Allah, Hajj, qu'Allah facilite votre voyage, accepter votre Hajj, et bien sûr, comme à tout le temps, nous dit à votre sabane, frère, sœur, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une choisirée, qui votre pense nous tous, sa umma là, aussi, et bien sûr, comme bien sûr, nous connaissons pour faire dans votre dora. Et le sujet aujourd'hui, n'est pas le Hajj, ni le ban mois sacré. Sa première, sa ayat qui nous fait réciter, surah Baqara, bien sûr, 255-256, les vins après, ayatul Kursi. Ayatul Kursi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban nom, ce ban attribut, selon certaines références, pliera ayat de Coran. Mais zis après, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit La ikraha fid din. Pena, contrainte, certainement pena, obligation, dans le sens pena, compulsion, comment nous dire, compulsion, pas qu'à force d'imoun, fit din, dans din. Et nous comprenons ça, et il y a une compréhension générale et bien acceptée, et l'y appliquer dans le contexte ayat révélé dans Madina. Pas qu'à pas force en kiken, pas qu'à oblige kiken, rentre dans din, dans din. Et malheureusement, le mot qui souvent nous servit à Maurice ou ailleurs dans la langue française, anglaise, c'est conversion. Mais ce mot-là, il n'est pas dans nous l'histoire, il n'est pas dans nous culture, il n'est pas dans nos traditions. Nous pouvons trouver pour plusieurs raisons. D'ailleurs, le mot conversion, si nous guettons bien à l'origine, à peu près 1000 ans de cela, en Europe, c'est servi pour qui ken, qui sensé. Pas nécessairement concernant la religion, mais les sensé ou les vins. Dans le sens, si nous cause religion à l'époque, les vignes vers bondier. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'actualité, pour bonne raison, dans la deuxième partie, surtout, mon pauvre Lola, ça qui nous tend de parler Kerala Story. Mais un principe important, ça y est là révélé donc à Madina, dans quel contexte? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il n'est pas capable, force qu'il ken, accepter din. Pas qu'à force qui ken dans din, oblige qui ken, embrasse din, ne pas pousser à vivre aux conversions. Ce qui est arrivé, c'est nous à Madina, après quelque chose qui est bien grave est arrivé, ben, juif de Beni Nadir, essaye d'assassiner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons Madina, la ville qu'on a été autour d'un ban juif, dans Madina, même le Kadir à côté, et je essaye d'assassiner Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui est le chef de ça, l'état de sa société de Madina là, et en sanction, ben, juif de sa tribu là, expulsé. Ce bizarre quitte Madina aller. Et quand je puis aller parmi eux, il y a des enfants. Et ces enfants là,
je peux grandir comme un juif, parmi ban juif, pas ban juif de sa tribu-là, mais je ban enfant de ban ansor. Ansor, c'est nous connaît ban Dimoun Madina. C'est ban enfant de ban ansor qui finit embrasse l'islam. Donc ban musulman, ban sahaba, radiallahu anhum, ansor de Madina, je trouve d'autres enfants qui, parmi ban juif, peuvent aller. Et question qui je dis, je fatigue je et interpelle je tracasse je c'est nous pas pour abandonner nos bons enfants. Et qui ont d'autres enfants, une parmi bons juifs, grandit parmi bons juifs, à l'époque, avant l'islam, ou une tradition à l'époque, avant le soir salam radar Madina, ban madame juif, quand papa gagne des enfants, ou ban monsieur, madame, je te fais un serment, je dis, si nous gagnons des enfants, nous pour grandir des enfants là, comme un yahoud, comme un juif. Et c'est comme ça que ban des enfants en soir, je ne grandis parmi ban juif. Mais nous connaissons tout du monde, tous les enfants, tout dit baba, l'inné, l'orfitra, sa nature originelle, pure. C'est ensuite ce parent, comme un hadith là, nous fait éliminer un juif, un chrétien, un zéroastrien, un majoussi, un quelqu'un qui adore d'idoles. Idole. Et donc, les enfants, c'est les enfants. Mais dans Hakala, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ban sahaba qui peut tracasser, je dis, nous enfants, puis aller, je peux grandir, nous enfants. Je n'ai pas besoin de la garde de l'enfant, comme on nous dit. Je n'ai pas envie de gagner des enfants, là, pour eux. Je peux tracasser l'audin de ces enfants-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, mais pas tracasser. La ikraha fi din. Pas capable de force qui ken pour accepter din, embrasser din. Même là, peut faire la référence, pas ban adulte, c'est ban enfants. Qui peut grandir parmi ban juifs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, katabayn al-rushd min al-hayy. Ça qui appelle rushd. Al-rushd, c'est ça, bon sens, bonne direction, bon raisonnement, bonne orientation. Ça qui est la vérité, ça qui est droite, droitir, les distinguer clairement, les complètement différents, distinguer, clair, évident. Depuis, al-ray, c'est quelque chose qui est fausse, quelque chose qui est inventé, quelque chose qui n'est pas bon. Ça veut dire, pas tracasser. Ben, les enfants, puis aller. Pour commencer, les autres enfants, tous enfants nés d'Andine, Fitra, mais la vérité, ça qui est clair, ça qui est évidence droite, droiture, bonne direction, c'est clair depuis Fausté. Pour arriver, quand je t'arrive là, les adultes, ben, les enfants là, ben, pour réfléchir, pour décider. Soit je retourne et je suis à autres Fitra, ça qui tout du monde est né pur, dans Dine, tout du monde est né musulman. Muslim, ou soit je suis tradition, ben juif qui est élevé, ou soit je raisonne dans son ramour souvent, en asma'ou al naqilou. Ben qui dans le jahannam dit si seulement nous t'y écoutons ou si nous t'y réfléchis. Je servis de raison, ou je, l'époque Rasulullah sallam, ou je gagne sahaba, puis transmettre Rasulullah sallam à l'époque là, je gagne un message là directement. Il n'est pas forceux parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît effectivement l'histoire qui est arrivée. Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait tout ça? Qui fait ça l'assurance? Qui fait ça, comment dire, pas besoin de traquer? Parce que la vérité, ça, elle est claire. La vérité, c'est vrai, quand il se fausse, mentir, casse casser, etc., nous pétriquer, là, nous gagnons pire, nous de toute façon pour protéger. Là, nous besoin forcer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, mais la vérité, elle est claire avec depuis mensonge. Ben là, soit pour réfléchir, soit pour suivre votre nature pure, fitra, soit pour recevoir le message. Et dans ce contexte-là qu'il nous trouve, et le mot islam, comme on nous connaît, nous traduit à lui la paix, là-dedans, nous gagnons le mot salam, nous gagnons le mot islam. Rasulullah sallam, dans un contexte, dans une fois, l'idien du monde, l'idien lui, aslim. Aslim, pas que ça veut dire convertir, embrasse l'islam, rentre dans l'islam, rentre dans la paix. Ça veut dire faire la paix avec te l'esprit, te l'équerre, te sentiment, te l'écoute, te dit bien, tout ça qui tu étais, vini. Salam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, vini, concilier, réconcilier-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala, le seul maître, ton Rab, ton créateur. Et qui ça dit, ce hadith, Imam Ahmed rapporte ça,
Imagine qu'il dit à Rasulullah sallam dit Ali, embrasse l'islam. Il dit à Rasulullah sallam, mon pas content lui. C'est-à-dire, il n'est pas content l'islam. Imagine aujourd'hui, nous, quand avant, il n'est pas content l'islam. Il dit, mais là, c'est sûrement, il n'est pas content. Il y a certaines petites choses, ou beaucoup de choses même. Il peut dire, il n'est pas content. Rasulullah sallam, force-lui, oblige-lui. Rasulullah sallam dit, wa in kunta kariha. Même si tu n'es pas content. Parce que ça qui n'est pas content là, tu désires. Mais plus tu désires, ce n'est pas toi. Toi, c'est ça qui est là pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle passe, dépasse, domine sa désir, ça qui n'est pas content là, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, du monde embrasse l'islam. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont contents qu'ils soient dans l'islam. Alhamdulillah. Là, je viens vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous faisons beaucoup de choses dans les passés avant de nous rentrer dans l'islam, qui n'est pas bon. Et Allah peut dire, quand on embrasse l'islam, tout ça qui est là avant est effacé. Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous qui celui qui embrasse l'islam. C'est pourquoi souvent nous t'en disons ou dis-moi d'embrasse l'islam. Mais ben frère, nos frères qui sont bien engagés là-dedans, ils pas là, mais ce n'est pas une affaire qui m'a dit à nous compter, faire un account, comment on peut rentrer dans l'islam. M'a dit, le rap du monde là, ramasse-le. Ce n'est pas une compétition, mais au fait, ce qui nous a été aussi, c'est. L'islam n'est pas pour moi, il n'est pas pour vous, il n'est pas pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala se dit. Allah fait qu'il me reste ferme jusqu'à des moments où la vie, l'eau-là, nous tue pareil, nos enfants, nos familles. Mais ensuite, si quelqu'un en vie embrasse l'islam, mais l'islam, il vient de l'eau, liberté, conscience. Et l'Ibiza connaît qu'il peut faire. C'est pourquoi explique-le. Et l'Ibiza fait aller de plein gré, de pleine volonté, avec seul équerre. Pas pour faire X, Y, plaisir, pas du monde, cause moi peut mourir. Ou soit à cause de mon bougain de job, ou soit à cause d'un tel, ou soit pour faire un tel plaisir. Tout ça là, il est important. Et une bonne chose qui, sans doute, nous besoin réfléchir aussi, c'est que nous pouvons compter comme on dit, une compétition rentre dans l'islam. Et même à l'université, quand nous étions, nous pouvons une compétition, nous pouvons un petit peu, si on vit faire une compétition, comme on peut sortir aussi. Ou même ben, qui rentrait, qui support, qui soutient, qui encouragement, qui encadrement, qui l'amour, qui solidarité nous est envers eux. Nous, c'est la bande qui, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, se faveur, nous naît dans la case d'une famille musulmane. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question qui ça n'a, qui quantité, ça fausse mot, ça mot qui nous besoin. C'est pourquoi mon frère a servi le mot revert. C'est une question de conscience. Et ça m'a dit de là, je connais ce nom, possiblement, il appelle Roland Gilani Soubia. Il dit, bon, nous connaissons un petit peu l'histoire. C'est un frère, derrière Larila appelle Soussoubia Avenue ou Street. L'école appelle Soussoubia. Soussoubia, c'est un ex-ambassadeur, High Commissioner dans l'Angleterre de Maurice. C'est un type bien proche, l'armée droite, confidence, ça, sur Sagaram Goulam. Et lui en Angleterre, lui, ce madame est British, britannique, si je ne me pas trompé. Il y a un garçon, et ce garçon-là, jeune, il est intéressé en l'islam. Il cherche, il reconnaît, il embrasse l'islam. Il prend le nom, Roland Gilani. Pas seulement il embrasse l'islam, il engage lui à fond. Il n'est pas parfait, il y a un insan, mais il fait tout. Et arrive un moment, ben, qui rappelle la guerre Bosnie. Même quand à l'époque, l'Amérique peut dire, non, il n'est pas passé dans Bosnie. C'est quelqu'un qui s'appelle Madeleine Albright, il dit, non, tout correct, ce même moment peut faire génocide. Et c'est au même moment, mon frère Koumali et les autres, Zotal dans Bosnie. Il n'est pas allé apparemment pour la guerre, pour aide humanitaire, parce qu'il veut massacrer du monde. Génocide là-bas. Et un bombe tombé, et Allah nous dit, Allah, donne-lui ça, Darja, ça, Degré, Shahid. Et en sa mémoire, Masjid Pena, non, mais Masjid pour la case, Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère qui est proche en lui et qui est engagé, je vais mettre son nom là et aussi au nom de sa famille, ses parents. Et ça, c'est une petite chose qui fait nous comprendre c'est quoi embrasse l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il nous parle dans une pièce, dans la deuxième partie, Inch'Allah, nous pouvons essayer de développer concernant le sujet Kerala History. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh.
بارك. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kerala, moi nous connaissons l'état dans l'Aisne. Et apparemment, c'est étonnant et bien sûr historiquement, bien sûr, pas de recherche, mais tout montrer ses premiers masjids dans l'Aisne. Dans l'Aisne, sans doute pays plus populé de monde, et sans doute plus pays qui a la plus population musulmane probablement, vous pouvez venir. Premier masjid au monde, ou pas au monde, dans l'Aisne, c'est dans l'état Kerala. À peu près, il faisait moins ce qui s'entend après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelques même dizaines d'années, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque-là, dans l'état Kerala, la côte, le sud, l'islam arrivait. Comment? La guerre, hommes, violence, disons non. Ben commerçant, fait un commerce entre l'Arabie, l'Inde, l'Asie, etc. Vous êtes l'exemple, vous êtes modèle, vous êtes honnêteté. Le mordu, vous êtes iman d'art, vous êtes naïm. Et jusqu'à l'air, masjid là, il existait, pour ainsi dire. Et l'état Kerala est un petit peu différent avec les autres, l'état l'Inde, dans le sens qui, ça nous faisait faire bien attention dans le monde virtuel. Kerala is so tory. 30 000 petites filles musulmanes soi-disant converties, qui, pourquoi seulement quelqu'un qui paraît raisonner, qui peut croire là-dedans, dans ce contexte, ce film-là. Mais, ben, musulmans, hindous et chrétiens, surtout, il y a un bon mix dans ça, l'état-là. Plusieurs millions de chaque communauté, ils vivent en paix. D'ailleurs, chief minister là-bas, il révoltait, il disait, ça film-là, puis gâte l'image, ce l'État, façon société, façon du monde, vivre en paix, tranquille. Il n'est pas réflecté du tout la réalité. Et ce qu'ils ont fait, ils ont protesté, ils ont allé à la cour. Suivre ban la voie légale. Effectivement, nous connaissons, film là, si pas ban, mais il y en a ban qui se bien corriger, ou mettre ban, notice, faire connaître qui, contrairement à ce qui est même baissé, nous trouvons, ils mettaient en grand. Mais, not based on many true stories, il y en a trois histoires qui sont interprétées, il n'y en a pas 30 000 histoires. Mais le point aussi à noter, c'est qu'il guette ça l'exemple de ça l'État-là, qui est l'État que peine à sa politique qui rentre en jeu pour, comment nous dire, lui amène souvent dans une situation que vous nous trouver dans les autres l'État dans l'Aisne. Dans les autres l'État dans l'Aisne, quand il est bon pour un gouvernement au pouvoir, je te servis ça. Par exemple, dans l'État, film-là, il est promoteur, comment nous dire, un politicien cause l'eau-là, il y a le donne tia taxe. Mais parce qu'ils savent, ils jouent dans une faveur politiquement. Comment il y a les autres États, je ne dis pas le guetter, banni, parce qu'ils peuvent être ici. Chacun se nie. Ils les trouvent, ils visent sa vote dans l'Aisne, dans sa l'État particulier, là, musulman. Et là, ils visent crase sa communauté là pour gagner vote. Et c'est ça qui est arrivé. Nous, l'Internet, nous pouvons guetter, nous trouvons une tonne Kerala story. Avant, il y a Kashmir Files. Et l'autre peut venir, appelle Ajmer Files. Dans la France où tant de Charlie Hebdo, il n'y a pas Salman Rushdie, ben qu'un type n'a plus mémoire, il n'est pas premier, il n'est pas dernier. Et chaque fois, et aujourd'hui surtout, nous avons fait attention avec ben les réseaux sociaux, avec Internet, Facebook, etc. Commentaire, n'importe qui qui a mis un commentaire, moi trouvé. Dans Maurice, dans l'Inde, met un commentaire. Dans Maurice, ben musulman père menace pour bombarde, c'est pas un shopping mall. Ben n'importe, il pas mettre son nom, etc. Il met ça. L'arc musulman dans Maurice, c'est totalement faux. La réalité, Kerala, n'est pas ça. Du monde, Ziskalep est vivant en paix, tranquille. Et film-là, pas de mort, c'est là. Quand il y a ça, l'enjeu politique-là, film-là, il y a, comment nous dire, comment on appelle ça, il y a un succès. L'argent. Film-là, bon film, mort, c'est maintenant, à cause de bonnes affaires comme ça. Un thème nationaliste, un thème concernant politique, surtout vise une communauté, etc. Mais nous, nous devons comprendre ce qu'il y a dans l'Aisne ou ailleurs. Et il y a une affaire drôle qui s'en a, chacun nous a sur l'intérêt. Il y a une bonne chaîne indienne d'information, parce qu'en Chine, qui peut arriver, il y a un masjid de 700 années, le gouvernement chinois peut détruire une partie de masjid. C'est drôle ça. L'Aisne peut passer l'information que la Chine peut détruire masjid. Quand dans l'Aisne même, nous connaissons dans l'épisode Ayodhya, Babri Masjid. L'Aisne maintenant est en colère, ou c'est l'opinion indienne. Médiatique, en colère parce qu'il peut détruire Masjid dans la Chine. Mais non, la Chine, c'est sûr, son adversaire. Et il termine sa reportage là, pour dire qu'il fait Pakistan, pas dire non rien. Et il y en a raison. Pakistan, il y en a l'intérêt avec la Chine, il reste tranquille, donc question Ouïghour. Ça, il y a une complexité, chacun peut guetter l'intérêt.
Et souvent, il y a moins de faits, il y a moins de réalité, il y a beaucoup de mensonges. Mais nous bien connaissons, nous revenons à nos points de départ, nous n'y sommes. Qui fait un mot compte sans film là? Qui fait un mot pour sans film là? Qui fait un mot causé? Qui fait un mot fait à qui de chose? Est-ce que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui embrasse l'islam, celui qui accepte l'islam, qui fait? Point de l'intérêt? Point de qui de chose? Ça, c'est une question fondamentale et l'islam lui commence là. Qui est au campus? Ça fait 30 ans moi, ici. Et nous avons trouvé sur Facebook ou ailleurs certaines choses, mais il y a qui peut passer. Donc, mais alhamdoulilah, ben frère qui, aussi longtemps que moi, il me rend hommage, je me trouve un frère, mais ben la famille Gouema Moussane. Masjidlah, je n'ai pas envie de prendre plus que les temps, pour qu'on ait l'aide finie, mais comment il construit un masjidlah, alhamdoulilah. Pendant des dizaines d'années, nous faisons un masjid, beaucoup connaît, que la famille Gouema Moussane. Et là, à l'époque, nous avons construit une place pour prier dans le campus, bien longtemps. Essayez de prendre ici. Mais alhamdoulilah, il y en a réel. Aujourd'hui, à la place, nous avons ça. La famille, Allah donne Shifa, nos frères Roshan, frère Nour ici, et notre frère Nepli là, notre maman, qui tu mets la terre ici, bloque ça la terre là, au sonno, et là, ensuite, il transfère. Ça met une vie sente ici pour convertir. Au contraire, organise une porte ouverte. Et dans l'église catholique ou anglicane de l'autre côté, Tamil League de nous parking. Ça, c'est l'exemple comment nous vivons ensemble dans le respect. L'aïkrafidine, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qui. Souvent, nous trouvons une pause dans ce. C'est, ça me dit, mais là, pas comme du tout, Maurice, ou pas comme du tout, réduit, pas comme dans l'eau, en plus, il faut maintenir. Pourquoi il est anonyme. Qui nous reste ferme, l'on nous nie, nous l'intention, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faites pas nous fébrile, nous pire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande nous uniquement qu'il nous reste sincère dans la vérité. Il faut qu'il ne nous manque respect envers les autres. Parce que dans le Coran, ce n'est pas le sujet, l'EAP est terminé. S'il nous manque respect envers les autres, c'est pour moi. Pourquoi semaine dernière ou quoi? C'est la circulation là, le PTAMIN Juma, ben, une procession peut passer. Hein, chacun respecté. Bien sûr, nous pas d'accord. Bien sûr, nous pas suivre. Bien sûr, nous n'avons pas dit, la Koum dit, nous Koum Ali a dit. Mais. Beaucoup de gens qui déliaient sa bande, trouble, ou bande palabre, ou bande rimière, ou bande seuse. Mais Allah, tu sais, le connaît, qui lit des deux côtés, qui lit, le paquet de sa communauté, mais demande qui compte pour nous pour rendre devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui a été plaisir, nous, qu'à dire, et n'est-ce pas la case musulmane, nous escalions, on croit, dans la région, ben, nous connaît. Mais une place qui m'a dit, non, et commet du monde fréquenté, et facilité pour bande seuse. Et mieux encore, en sécurité. N'importe qui laisse, quand je me disais à soi, je connais quand je disais plus tard, il est ouvert ou voyager ou venir là, ou prier ou aller, pour faciliter en bas pour ban soeur ou ban qui pas capable déplacer à l'en haut. Et mieux encore, dans place musulmane, ou dans place, je n'ai pas envie de mentionner, ils ont fait un masjid parce qu'ils voulaient. Ici, alhamdulillah, nous avons façon y était, qui Allah subhanahu wa ta'ala, je crois bien bien terminé, qui acceptait. Tous les efforts, les frères qui finissent faire et continuent à être les frères là dans la bonne direction. Rabbana thabitna ala l'iman. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika. من القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.